Ok la famille, dans cette vidéo je vais vous présenter mon nouveau véhicule. C'est un véhicule de ouf, c'est un vélo, motocross, etc. pour Uber Eats. Parce que comme vous le savez, moi je suis livreur Uber Eats. Et aujourd'hui j'ai fait une collaboration avec la marque T-Rocher. Et ils m'ont envoyé un vélo incroyable, faire des livraisons Uber Eats, pour rouler sur l'autoroute, pour faire des trucs de ouf. Enfin bref, c'est dans cette vidéo la famille, t'as tout compris. On va vous présenter cette magnifique bête dans cette vidéo. Yo la famille, c'est Loacan F2. J'espère que vous allez tous très bien la famille. En tout cas pour ma part ça va super. Donc aujourd'hui les amis, une nouvelle vidéo de mon nouveau bijou que j'ai reçu. Donc c'est un vélo motocross, t'as capté, vélo. Le tas est fou à plus de 2 400 €. J'ai eu le vélo parfait pour faire plein d'argent sur Uber Eats en livraison pour se déplacer, etc. C'est une bête. Donc là, c'est parti. Le caméraman, il va vous faire un petit tour du vélo. Il est juste incroyable. Il vaut plus de 2 400 balles, la famille. C'est parti. Donc, les amis, regardez ma nouvelle acquisition. Déjà, dès le début de la vidéo, donnez des notes pour ma nouvelle acquisition de ce vélo de la marque T-Rocher. Oh, j'aime trop. Franchement, ils m'ont ramené un vélo de la mort qui tue. Donc, déjà, donnez des notes dans l'espace commentaire. Je mettrai des j'adore à ceux qui donnent des notes. Donc, voilà. Et là on va plus vous le présenter en détail les amis. Mais franchement déjà il a une belle gueule, ça j'aime bien. Du coup les amis c'est parti, on va plus vous le présenter en détail. Alors déjà pour commencer, on a une selle qui est super confortable, qui est réglable. Donc je la règle à ta taille comme une selle de vélo. Donc vraiment elle est vraiment moelleuse la selle, tu t'assois dessus, on dirait que tu es sur un canapé Ikea. Avec les petits traits là par dessus pour le design, des petits noirs brillants, des petits traits de noir brillant. Après la famille, on a un petit garde-boue à l'arrière. Franchement il est super stylé, un petit garde-boue à l'arrière avec des feux. Vous allez voir en fait quand tu freines etc, ça s'allume. Donc on a des feux qui s'allument comme ça, les voitures elles vous voient. Vous n'allez pas vous faire percuter, vous inquiétez pas. Et on a des feux arrière aussi qu'on va allumer. Vous allez voir quand tu freines, bah ça fait le feu stop comme les voitures. On a des jantes en full blanc, vraiment super stylé. Après la famille, vu que c'est un vélo électrique, là il y a le moteur. C'est ça qui fait pousser le vélo. En gros c'est un vélo électrique, quand tu pédales en gros c'est beaucoup plus puissant qu'un vélo normal. Tu vois quand tu mets un coup de pédale on dirait t'en mets 10. Du coup là on a la batterie, donc il peut faire jusqu'à 100 km d'autonomie ce vélo les amis. 100 km d'autonomie, c'est une dinguerie. Ensuite la famille, il y a un truc que je kiffe vraiment de ouf sur les vélos, c'est les suspensions. Théma, des suspensions avec des fourches en or, Théma couleur or, c'est incroyable. C'est vraiment une dinguerie, tu peux rouler sur la daron normale avec, enfin vraiment c'est un truc de ouf. Et en parlant bah, des suspensions, regardez, il a un tableau de bord ce vélo. Wesh poteau, c'est une GRSQ3 ou quoi le bail? Il a un tableau de bord. Pour l'option. Pour l'option les gars. Donc on va démarrer ce tableau de bord. On va laisser tout hein. Donc pour le démarrer, t'as juste appuyé là. En gros pour démarrer. Le vélo électrique, t'appuies là. Et là t'as un tableau de bord. Tu peux voir les kilomètres. La batterie si elle est chargée ou pas. Là on est full. Elle fait 5 km d'autonomie. Tu peux regarder le mode électrique que tu veux mettre. Par exemple, mode 1, c'est ça va doucement. Mode 2, tu vas vite. Mode 3, ça commence à bombarder. Mode 5, t'es en mode T-Max, t'as capté? Ouais, tu peux voir les kilométrages que t'as fait. Ouais, les kilométrages que t'as fait avec le vélo. Une dinguerie, tu vois. Tu peux voir combien t'as roulé avec le vélo. Là, j'ai fait même pas, même pas 100 mètres. Et tu peux voir les watts, donc la puissance de la batterie, etc. Enfin, vraiment, c'est une dinguerie. Wesh, t'as un klaxon, les gars. Wesh, c'est une dinguerie. La MIF, c'est la première fois que je vois un vélo avec un klaxon. Wesh. Poto, tu te fais respecter ma gueule, t'es une chope carrément frère. Après, regardez, là on a un truc pour allumer la lumière. Donc en gros t'appuies juste ici, regardez. Hop, j'appuie et la lumière avant s'allume. Regardez-moi ça. Une lumière bien méchante, témoin-moi ça avec la fourche en or. Oh, on dirait carrément t'es en face d'une bécane, t'as capté ou pas? Et ensuite la famille, hein, on va vous montrer quand tu freines, il y a les feux arrière qui s'allument. Quand je vous dis c'est une voiture, c'est une moto, c'est une dinguerie. Donc là, je suis avec le collet, connais, il va appuyer sur le frein et vous allez voir. Regardez, là ça se voit pas trop, hein, mais sur maman ça se voit. Appuie sur le frein, t'as vu, vous avez vu? Il y a un rouge en plus qui se rajoute. Hein. Là ça se voit pas trop parce que c'est de jour. Mais quand tu freines, en gros, le capteur de lumière il s'allume pour dire aux voitures que tu freines. Et là par contre, t'as un petit capteur automatique. Ça s'allume tout le temps, tu vois, pour comme ça les voitures elles te voient bien. Ensuite la famille, bah on a des vitesses comme tous les vélos hein. Donc on a 7 vitesses, c'est à dire tu as 7 disques pour les vitesses. Et c'est des freins à disque, un disque ça freine fort non? Ouais. Enfin vraiment c'est une super belle bête, laquelle je vais l'utiliser pour travailler sur Uber Eats. J'espère que je vais faire pas mal d'argent avec hein. Ça va être incroyable les amis. Bon la famille, on va monter sur le vélo. Donc déjà, première sensation quand t'es assis sur le vélo, t'es mieux que quand t'es sur une meuf. Sur le vélo t'es mieux que quand t'es sur une meuf. Là on enlève la béquille et là on va le démarrer. Donc on va, vous allez voir, je vais taper une petite accélération en vitesse tranquille, tu vois. On va taper une petite accélération en vitesse tranquille, le caméraman il va me filmer. Comme ça vous voyez un aperçu comment aller la vitesse. Donc là on va aller en vitesse tranquille. Ensuite on va mettre la vitesse max, je vais bombarder. Comme ça vous voyez un peu ce qu'il a dans le ventre ce vélo. Donc là la famille, je suis en vitesse 2, regardez je pédale tranquillement, ça va trop vite. Je suis en vitesse 2. Voilà, elle a même pas pédalé deux fois. Les gars, en vitesse 2, vraiment c'est un jouet le vélo, c'est un jouet. Et dites-vous là, c'est rien encore hein. Du coup la famille, vous avez vu, vitesse 2 c'est détente. Mais vraiment quand tu pédales, t'as l'impression de pédaler comme un fou. Alors que tu pédales tranquillement vu que c'est un vélo électrique qui a beaucoup d'assistance. Et là, on passe la cinquième, la vitesse max, montre leur le tableau de bord. Donc là les gars, on va mettre la vitesse max. Et vous allez voir quand je vais venir, ça va être quelque chose. C'est un mode sport là. Ouais, vitesse 5, c'est ça qu'on va dire, c'est l'équivalent d'un T-Max Vario en vélo, t'as capté. Donc c'est parti, là vous allez me voir arriver en vitesse 5. Le caméraman il va vous filmer. A tout de suite, je vais bombarder comme un fou. Et là, 5, ma gueule. Et là, elle est en vitesse 5 là, c'est fini frère.
Là, les amis, ça rigole plus du tout. Ah, il y a eu du vent là tellement ils bombardent. Bon la mif, je vous ai montré un peu la vitesse 5. Après je bombardais pas trop, tu connais moi je fais jamais de vélo. Je suis un mec du scooter, là j'ai passé le vélo à mon pote. Vous allez voir vraiment il va essayer de bombarder bien à la vitesse 5. Donc la famille, il est là. Ah ouais non toi tu vas beaucoup plus vite que moi gros. Wesh, tais-moi. Wesh. Wesh. Wesh, on dirait il est en scooter les gars. Non vraiment vitesse 5 en fait t'as l'impression que tu fais du scooter carrément. Tu pédales, ça va super vite. Regardez ça, ça bombarde de ouf en vitesse 5 hein. Pour la livraison Uber Eats, vraiment c'est un vélo parfait les gars. Vitesse 5 c'est carré. Du coup les amis, on vous a montré un peu les vitesses, l'accélération. Après voilà, c'est pas un T-Max hein. Pensez pas, vous allez nous voir passer à 100 km/h hein. Après le but c'est pas la vitesse, c'est, ouais, voilà, c'est juste vraiment... pas galérer quand tu vas au boulot le matin quoi. Ouais voilà, vraiment c'est un vélo qui t'aide de ouf. En plus ça, ça les roues elles sont tout terrain. Ouais, ça c'est des routes de sable. Ouais, c'est des roues, ma gueule, elles sont tout terrain, ma gueule, c'est une dinguerie. Et la famille, je vais vous montrer aussi ce qui est bien, c'est que avec le vélo, je peux rouler partout. Imagine, j'ai livraison Uber au Kazakhstan. T'as capté, c'est dans les collines, etc. Eh ben, tu roules partout, t'es moi, on est sur l'herbe, regardez. Ça bombarde partout, ma gueule. C'est pas l'herbe plat en plus, hein. Voilà, ça roule partout, les gars. Voilà, c'est 4x4 Range Rover. Voilà, c'est une dinguerie. Waouh, ça pousse trop, les gars. C'est vraiment une dinguerie. Téma, carrément, il y a des traces. Montre-leur les traces des pneus. Voilà. Je sais pas si vous voyez les traces des pneus. C'est une dingue. Du coup, la famille, voilà pour ce vélo vraiment polyvalent. Et franchement, voilà, c'est fini Uber Eats en scooter, etc. Les gars, je vais arrêter, je vais livrer avec ça. Hein, je vous cache pas. On devient écolo, nous. On devient écolo, on pollue pas. Pas d'essence, pas d'assurance, pas d'entretien quasiment. Tu vois, c'est un vélo, il n'y a pas beaucoup d'entretien à faire. Vraiment, c'est incroyable. Et voilà mon petit nouveau véhicule, mon petit bijou pour faire Uber Eats, pour travailler et pour me déplacer. Donc, vraiment, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Je sais que vous êtes beaucoup à kiffer les vélos, etc. Du coup, je vous ai présenté une belle bête. En tout cas, tout sera en description pour les intéressés. Le vélo, comme le site qui m'a envoyé ce vélo là. Donc, vraiment, je compte sur vous, la famille. Si vous avez kiffé cette vidéo, vous bombardez cette barre de like, commentez, partagez ou vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait, les amis. Et nous, on va se dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao, l'ami.